Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. On est là. Je suis très contente de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Motivation, ménage. J'ai fait le gros ménage dans ma douche. J'ai fait le tri. Il fallait ranger des histoires parce que ça commençait à devenir en désordre. Je vais laver les cheveux des enfants les week-ends. Voilà, on va se motiver un peu. Si le contenu vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche. Sinon, aimez la vidéo. Là, il était vendredi soir, donc je devais laver les cheveux des enfants comme on avait un programme le samedi matin. Et c'est le samedi après notre programme des dehors que j'avais tressé la grande. Et puis, on avait fait coiffer aussi son petit frère et la petite Josie. Elle, on avait fait juste des chignons, voilà. Donc, pour laver les cheveux de ma fille, j'ai utilisé uniquement la crème capillaire de la marque Kina Tower, un très bon produit que je vous recommande tous. Je vais vous laisser aussi le lien de Kina Tower dans la description pour ceux qui seront intéressés par cette crème capillaire. Avant de rincer les cheveux, je prends toujours le soin de démêler les cheveux et masser, ensuite rincer. Donc, j'ai fini avec la grande. Je vais faire pour le petit frère. Il devait se faire coiffer le jour suivant, mais on ne peut pas quand même l'amener au salon avec des cheveux sales. Donc, je savais bien qu'il serait coiffé le jour suivant, mais j'ai préféré laver les cheveux avant de l'amener au salon. Donc, on va nettoyer aussi sa tête. Les cheveux courts, c'est très, très rapide. Après le grand frère, on a fait les cheveux de la petite. Elle était sage. Donc, comme elle était de bonne humeur, j'ai profité pour faire ça rapidement parce que si elle refuse, ça sera compliqué. La grande, c'était prévu de la tresser le jour suivant. Donc, j'ai juste fait un chignon simple pour qu'elle soit propre le samedi matin puisqu'on devait sortir. Donc, j'ai juste bien séché les cheveux et j'ai fait un chignon tout simplement. J'ai pas mis des gels, je voulais pas ajouter des saletés comme c'était prévu qu'elle soit tressée le jour suivant. Voilà, tout simple. Et on était sortis le samedi matin comme ça. Et la petite aussi, Josie, j'avais fait aussi les chignons, tout simplement. Là, c'est le jour suivant, le samedi, on était sortis. Voilà, ils ont un peu joué, ils se sont amusés. Il y avait une activité à notre library. Chaque samedi, il y a des activités des enfants et c'est gratuit. Et moi, c'est vraiment un temps où je peux amener les trois enfants ensemble, jouer et passer du temps. Donc, c'est vraiment quand nous allons terminer que nous passerons au salon de coiffure pour faire coiffer le garçon. Et une fois à la maison, ils vont manger, ils vont jouer. Et le soir, je vais tresser la grande.
Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de ce P11 Mopping Vacuum Cleaner de la marque Procénic que j'aime énormément et je continue de profiter de cela. J'aime beaucoup. Ça aspire et passe la serpillière au même moment avec une bonne puissance d'aspiration. Comme je vous ai dit, il est actuellement en promotion. Ça avait commencé depuis le 9 septembre et la promotion va s'étendre jusqu'au 26 septembre. Vous avez quelques jours pour profiter pour l'avoir à seulement 139 €. En tout cas, je vous le recommande. Je rentre dans mon ménage, donc je devais faire le gros ménage dans ma douche. Donc, j'avais aspiré les cabinets là et je vais ranger mes produits. Donc, ça commençait à devenir un peu partout. C'était en désordre. Je ne savais pas retrouver les choses facilement. Quand les choses sont en désordre, c'est très compliqué. Mais quand c'est rangé, tu sais où trouver quoi et ça facilite la vie. Là, c'est le nightstand qui était dans ma chambre, que j'ai ramené dans ma douche. Donc, ça va m'aider pour ranger mes histoires. Là, j'ai mis les trucs que j'utilise pour mes cheveux, voilà. Et ça fit correctement à l'intérieur. Sinon, comment vous allez? Comment se passe votre journée? Vous suivez cette vidéo en train de faire le ménage ou en train juste de relaxer? En tout cas, c'est un plaisir à chaque fois pour moi de vous partager une nouvelle vidéo, surtout quand je lis vos retours. Quand vous me dites que ça vous motive et ça vous fait du bien, moi aussi, ça m'encourage. Je vous dis merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc, j'ai terminé les cabinets de l'autre côté. Je vais venir finir avec celui du dessus, parce qu'en bas, j'avais rangé les trucs des cheveux au dessus. Ici, je vais garder pour mes trucs que je dois avoir près de moi, peut-être quand je suis dans la douche et tout, voilà. Je ferai les miroirs avec ma mousse là pour les glaces. Et les deux éviers, je vais laver avec le bicarbonate dessous. Ça fait très bien briller et j'aime beaucoup.
quand j'ai terminé avec mes éviers, je vais faire un peu la peinture. Donc, appliquer juste un peu de peinture là où il y avait des taches sur mes murs. C'est vrai, sur la caméra, vous n'avez pas la possibilité de très bien voir, mais en réalité, c'était juste horrible. Donc, c'est tout ce que je voyais quand je rentrais dans la pièce et il fallait que je mette la peinture. Donc, ma peinture, elle est flat. Donc, c'est pas huileux, genre les genres des murs que tu peux essuyer avec un tissu et tout. Donc, quand il y a des tâches, c'est très difficile. La seule solution, c'est mettre la peinture. Mettre la peinture. Quand j'essaie de laver, c'est pas, ça marche pas en fait. La peinture n'a pas d'huile. Donc, je vais profiter pour mettre un peu de la peinture partout où il y avait des tâches. Et quand ça va sécher, ma douche sera juste très, très, très propre. Ma douche, elle était propre, mais quand je veux que ça puisse bien briller, j'applique ce gel gloss et ça fonctionne super bien. Pour la porte, j'utilise ce glass cleaner, la mousse là, et ça nettoie super bien. Donc, c'était pas très sale. Alors, le gros de ménage était déjà fait le dimanche soir. Donc là, j'étais juste en train de finir le tout avant d'aller au lit. Il fallait remettre les couettes de mes chaises. Il fallait aussi passer l'aspirateur du côté salon. Il n'y avait pas grand-chose à faire et peut-être parfumer. Vous allez me voir allumer mes bougies pour quelques minutes, le temps que ça parfume un peu. Et moi, je vais aller au lit. Voilà. Donc, il n'y a pas de gros ménage ici. La perruque que je porte, elle vient de Shein.
Au début, j'avais du mal à la mettre, mais plus je la mets, plus je commence à l'aimer. Et je reçois même des compliments hein, quand je la porte, alors que ça coûtait moins de 40 euros. Je l'aime bien et je crois que je vais prendre d'autres perruques crôlées sur Shein. J'ai déjà ciblé quelques perruques. Et voilà, j'espère que j'aurai toujours la même expérience, une bonne expérience. Et dans mon salon, je devais tout simplement habiller mes oreillers. J'avais lavé les têtes d'oreiller, ensuite passé l'aspirateur parce qu'il y avait des miettes de pain que les enfants avaient mangées ici avant d'aller au lit. J'ai eu un petit souci avec ma machine du tapis. Du coup, le jour où je devais le nettoyer, j'avais déjà mouillé le tapis et quand j'ai démarré la machine, ça ne fonctionnait pas. J'étais obligée de plier le tapis, l'amener dehors, nettoyer à l'eau. Et c'était difficile de finir tout l'eau sans la machine. Du coup, ça a un peu séché, mais c'est pas très, très propre. J'ai plié, j'ai mis dans le garage. Quand je vais acheter une nouvelle machine, je vais nettoyer mon gros tapis. Je vais remettre ça ici. En attendant, j'ai pris le petit tapis qui était dans la chambre de ma fille. J'ai ramené ça ici au salon pour que ça stabilise la table. Parce que quand il n'y a pas de tapis, les enfants peuvent commencer à pousser la table de gauche à droite et ça peut abîmer mon parquet. Donc, j'ai pris le petit tapis de la chambre de Cassie, j'ai ramené ça ici en attendant que je puisse nettoyer le gros tapis et l'installer dans le salon. Et je trouve que c'est beau, hein? C'est pas trop mal. Comme j'ai mis un peu de côté, voilà. Voilà, je pense que ça marche. Dites-moi, comment vous trouvez ça? Toute la saleté que je vous montre là, ça vient de ce petit tapis-là. C'est juste incroyable. On voit ça tout blanc, on dirait que c'est très propre, mais il y a toujours des poussières qui rentrent là en bas. C'était juste satisfaisant de voir que j'ai tout pris avec l'aspirateur dont je vous ai parlé tantôt, de la marque Procénic. Donc j'ai terminé, je suis passée à mes linges. Voilà, je vais plier les essuies de ma chambre et puis les ranger. Par ici qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser vos pouces bleus avant de partir. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation. Bye bye!